Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous jouer un blues. C'est parti. 3, 4 et... D'habitude, le blues, quand on débute, on l'apprend sur des cycles de 12 mesures. Je trouve ça beaucoup trop scolaire. Moi, du coup, ici, il fait un cycle de 8 mesures. C'est ce qu'on voit entre les barres de reprise. Le swing, c'est une interprétation rythmique différente de l'écriture, grâce à cette annotation. Cela signifie que les deux croches n'ont pas la même durée. La première prend 2/3 du temps. Il ne reste plus qu'un seul tiers pour la seconde croche. C'est une musique qui boite. Elle a sa seconde jambe plus courte que la première. Donc pour bien réaliser le rythme, on va faire comme ça. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais taper dans les mains quand je vais dire 1 et 3. Ça nous donne ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En réalité, c'est pas exactement ça. C'est délicat, ça dépend du tempo et de l'énergie qu'on veut y mettre. Mais pour le moment, restons à cette simplification qui ira très bien. Il n'y a que le blues et le jazz qui bénéficient de cette écriture. Sur la page du morceau, j'ai écrit deux fois le même morceau. La première version, c'est en binaire, avec l'indication de swing. Et la seconde, elle est écrite en ternaire, comme cela devrait être écrit. Du moins, c'est plus proche de la réalité. La lecture étant plus facile en binaire, pour tout ce qui est des musiques assimilées au jazz, nous garderons une écriture binaire avec l'utilisation du swing. J'espère que ce morceau vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Et pour faire les dons, c'est sur Tipeee, vous avez les liens en dessous de la vidéo. À bientôt !